sen dekuway ba liggey bi paré bu boba nak kador gep la ñu dajale fi pour ñu inauguré ko ñu ñaan yalla ministre bi ñëwaat ak ñun pour inauguré ko donc au nom du conseil municipal et des populations de Meke, j'ai l'immense plaisir de souhaiter à toutes les personnes que j'ai citées la bienvenue à l'occasion de la pose de la première pierre du centre de formation au métier des poses de cuivre de Ngaye Mekhe. Le centre dont le lancement nous réunit aujourd'hui sera un joyau architectural avec la vocation de devenir très rapidement un temple de l'alchimie du cuivre. Il sera, j'en suis convaincu, un fleuron de la filière pose de cuivre de classe mondiale. D'un coût de près de 1,5 milliard de francs CFA, financé par la Banque africaine de développement, dont je salue l'énorme financement consenti à notre pays et le gouvernement, aux artisans à entrer dans la cour des meilleurs évoluants dans les ateliers des grandes marques du secteur. Nous saluons la clairvoyance du président Macky Sall qui soutient l'artisanat et le considère comme un levier important de développement économique et social. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal promeut l'artisanat comme un moteur de création d'emplois et de richesses. Il est donc évident que le travail doit être soutenu afin de passer à la mise en place des clusters industriels dans plusieurs filières, dont celle des poses de cuivre. Ngaye Mekhe, très célèbre avec son label d'Alungaï, ne pouvait être que le bon choix pour installer le centre de formation au métier poses de cuivre. En plus d'être la capitale de Dalungaï, Ngaye Mekhe a été consacrée capitale sénégalaise de l'artisanat par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. De sa mémorable visite qu'il a effectuée dans notre cité le 22 décembre 2014 à l'occasion de la Journée nationale de l'artisanat. Le centre contribuera à former des jeunes talents sur tous les métiers de la filière pose de cuivre. Il servira aussi à renforcer les capacités des cordonniers afin d'améliorer la qualité de leurs produits ainsi que leur compétitivité sur le marché international. Ce centre aura une vocation nationale, voire panafricaine, afin d'attirer et de former des hommes et des femmes au métier des poses de cuivre. Ces métiers vont de l'agriculteur au vendeur, en passant par les métiers de l'élevage, de la boucherie, de la collecte, de la tannerie, de la cordonnerie, du marketing et même de la réparation. Ici, à Ngaye Mekhe, la cordonnerie, jadis réservée à des castes, est devenue un métier où foisonnent toutes les classes et catégories sociales. Cette mutation historique et sociologique est dictée par les opportunités qu'offrent le métier et le marché. Vous n'êtes que des femmes, nous sommes que des hommes. Vous voyez, nous sommes tous les deux. 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 Et il faut que nous sommes tous les deux pour m'en aller. En espérant que la construction du centre sera tenue dans les délais contenus dans le cahier des charges, j'invite les maires ici présents et l'ensemble des acteurs de la filière à en faire leur bien et à participer activement à sa gestion pour plus d'efficacité opérationnelle. Je remercie le ministre Damdjo de la diligence de ses équipes.